Le dimanche 19 mai, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte. En Côte d'Ivoire, cette fête a coïncidé avec le 50e anniversaire de la communauté catholique Chemin Neuf, attirant des fidèles de tout le pays. Oh, 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 patinage, ça, dans Consciente que la division est un obstacle à l'évangélisation, la communauté à vocation œcuménique a choisi pour thème de ce cinquantième le verset de Jean 17, 21, Que tous soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Euh, C'est surtout que plus de personnes euh, puissent de connaître comme le maître cela de leur vous d'une part et d'autre part aussi... Euh, cette expérience grande que la euh, Bible, la parole de Dieu, c'est une parole qui nous touche. Le cœur de l'homme, c'est une parole que je veux. 50 ans de présence euh, dans le monde, la communauté, mais en Côte d'Ivoire, c'est depuis 1996. Donc euh, plus d'une trentaine d'années de présence ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une grande joie. Le Jubilé d'or organisé sur deux jours a inclus des enseignements, des prières, des exhortations et des rencontres fraternelles. Fondée par le jésuite Laurent Fabre, influencée par le renouveau charismatique des années 70, la communauté Chemin Neuf rassemble des chrétiens de plusieurs confessions.